Salut à tous, ici Rafi76250. On se retrouve comme chaque fin de semaine pour ma vidéo sur l'emplacement de Xur, donc il sera disponible aujourd'hui. On est le 1er mai, 11h, jusqu'à dimanche 3 mai, 11h. Donc bah on va voir où il se trouve et ce qu'il vend cette semaine. Allez, c'est parti. Donc il est pas très loin, il est juste en face, là dans la pièce où il y a tous les, on va dire, les menteurs de chaque classe de personnage. Que je sois ici. Parlez-moi. Donc tout d'abord, il vend les ailes de la perdition, gantelées pour Titan. Vous trouverez davantage de munitions lourdes à chaque pack contient un plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Inflige des dégâts à l'aide de votre attaque de mêlée et réduit le délai de récupération de votre grenade. Augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales. Ensuite, il vend le ne me touchez pas. Donc c'est pour Clash Chasseur. Donc c'est un gantelet très bien pour la première étape de Cropta. Vous devez être temporairement invisible lorsqu'une attaque de mêlée vous inflige des dégâts. Donc c'est ça qui est très bien pour Cropta. Augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales. Votre gain d'énergie de super augmente lorsque vous tuez un sbire de ténèbres. Ensuite, cœur de feu Praxis. Donc c'est la première fois que je le vois pour Arcaniste. Réduit davantage de les récupérations des capacités lorsque la radiance est activée. Augmente la capacité des munitions des fusées à fusion. Augmente la capacité des munitions des armes lourdes. Donc c'est la première fois que je le vois, ce gantelet. Pas ce gantelet, mais ce torse. Donc je vais peut-être me le prendre comme c'est la première fois que je le vois, donc peut-être me l'acheter. En plus il augmente les capacités de munitions d'armes lourdes. Donc je vois, je le prendrai peut-être plus tard, je vais voir. Ensuite l'ombre et lumière, donc il a été vendu il n'y a pas longtemps. C'est une très bonne arme, hein. Je vous la conseille. Les munitions de cette arme transpercent les cibles et ricochent sur les surfaces dures. La moitié inférieure de chaque chargeur inflige davantage de dégâts. Donc après, comme d'habitude, hein, éclat exotique et engramme exotique. Donc moi, je vais me prendre un engramme exotique, comme ça me fera un nouveau engramme pour faire ma vidéo sur ouverture d'engramme. Donc je vais me le prendre tout de suite, comme ça sera fait. Hop, voilà. Donc après, je vais peut-être prendre... Peut-être profiter de prendre des engrammes exotiques. Des éclats exotiques, parce que j'ai des armes à améliorer. Donc là j'ai looté ça cette nuit en faisant Cropta, le quatrième cavalier, donc bah, c'est une arme qui me manquait, donc c'est bien. Donc après j'ai la poupée vaudou à améliorer. J'ai la télécommande universelle. J'ai multifonction Mida. Et puis c'est tout je crois. Le Suros, ah puis le Suros. Donc je pense que je vais prendre un engramme et pas un engramme, un éclat et améliorer le suros. Ça, je vais peut-être en prendre deux, comme ça m'en fera deux armes d'améliorer. Donc j'hésite, c'est soit... je vois. Donc je vais me prendre ça déjà, puis je vais améliorer mon suros. Puis après, bah, moi je vais vous laisser, je vais pas squatter plus longtemps. Ma volonté ne m'appartient pas. Donc voilà. Voilà, comme ça mon Surus il est à fond. Je vais peut-être améliorer une autre arme aussi, comme ça sera fait. Comme ça coûte pas trop cher. Puis comme là, cette semaine il n'y a pas trop d'armes à acheter, donc je vais en prendre un autre. Comme ça je pourrais améliorer une autre arme. Non, je vais prendre cette arme là, l'autre je les ferai plus tard. Je vais prendre souvent les armes que je prends souvent. Voilà, comme ça cette arme là elle est améliorée. Donc après bah, je vais vous montrer mon coffre que j'ai parce que je suis en train de faire... de récolte d'engrammes pour vous faire une nouvelle vidéo sur l'ouverture d'engrammes au Cryptarc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Il me semble que dedans j'en ai déjà, je pense, je suis pas sûr. Non, j'en ai pas. Déjà j'ai ces colis là, j'attends juste un colis là que je dois récupérer pour vous faire cette vidéo là. Donc ensuite j'ai mes engrammes hein, dans mon coffre. Donc j'en ai pas mal déjà, j'ai déjà des exotiques, tout ça. Donc je vais voir où j'ai de la place pour en stocker un. Là je vais en stocker un là. Voilà, ça je vais pouvoir mettre mon engramme.
Comme ça me fait pas mal d'engrammes. Je le ferai peut-être ce week-end. J'attends vraiment de faire pas mal d'engrammes. J'attends. Bah, dès que je serai blindé, hein, dès que je serai full sur tous les emplacements là, je vous ferai sûrement une vidéo d'engrammes. Donc là, j'ai encore de la place. Hein. Donc, dommage qu'ils vont pas un chasseur. Je suis à la recherche bah, du casque qui a le même attribut que mon casque de arcaniste. Voilà, vous réanimez vos alliés. Rapide effet, apparaître plus d'herbes. Vous récupérez des points de vie quand vous ramassez les herbes. Donc moi, je cherche celui-là pour chasseur. Donc ils le vendent pas, dommage, tant pis. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Salut, bye bye, portez-vous bien.